Nouveau chantier pour cette société. L'équipe a 3 jours pour démonter cette chaudière au fioul de 25 ans et poser une pompe à chaleur aérothermique. Du chauffage et de l'eau chaude en exploitant les calories de l'air. Cet artisan chauffagiste voit la demande augmenter. Des aides et des subventions ont été mises en place. Pour un propriétaire occupant avec des revenus modestes, on peut aller jusqu'à 9000 euros d'aide, ce qui permet de financer quasiment 70-80% du montant des travaux total. Un système qui permet certes de réduire sa facture de consommation, mais inefficace pour certains au regard de la transition énergétique, irréalisable pour d'autres, compte tenu du parc de chaudières qu'il faudrait remplacer. La stratégie la plus importante, c'est de mettre de l'argent sur les technologies qui font qu'on n'aura plus besoin ensuite de consommer beaucoup de kilowattheures pour se chauffer. Et là, c'est l'isolation qui est le plus efficace. Ce qui est important, ce n'est pas de supprimer les chaudières au fioul, mais bien de remplacer le fioul. La Fédération française des combustibles se prépare depuis plusieurs mois à lancer un biofuel sur le marché qui serait additivé à 30 voire 40% d'ester méthylique d'acide gras de colza, ce qui permettrait d'avoir un produit qui correspondrait aux objectifs du ministère de la Transition écologique. En Limousin, le conseil départemental de la Corrèze dit étudier cette piste. Une expérimentation pourrait donc être financée. Question d'anticiper la sortie du fioul à compter du 1er janvier 2022, telle qu'annoncée par le gouvernement.